La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Ça veut dire que pour les croyants, pour celui qui n'est pas chrétien, il ne comprend pas ce que représente la croix de Jésus. Pour lui, c'est inutile. Quelqu'un est mort, on l'a frappé, on l'a humilié, ça fait quoi? C'est une folie pour le païen. Mais pour le croyant, c'est la 700 ans avant, Esaïe avait annoncé avec détail ce qui allait arriver au Messie. Donc ça veut dire quand le temps est arrivé pour que le Messie, Jésus-Christ, vienne sur la terre, il venait accomplir ce qui avait été dit de lui. Vous avez l'expression dit de lui, dit de moi. Il répétait ça souvent. Il est venu sur la terre pour un but. Il dit il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Quand on a lu tout à l'heure, c'est pas que vous avez vu le dernier verset d'Esaïe 53. Il dit oui, il a porté les péchés de beaucoup de gens. Pourquoi il ne dit pas il a porté les péchés de tout le monde? Ça veut tout simplement dire que bien qu'il soit mort pour tout le monde n'accepte pas. Donc, toutes les bénédictions dont on parle sont pour ceux qui acceptent. Et une décision, si tu la remets à demain, tu es foutu. La décision de ton salut. Parce que quand tu commences à être touché par la parole, quand la parole de Dieu a accès à ton cœur, et qu'il y a une réaction, le monde spirituel est au courant que la parole le touche. Le diable sait que quelque chose se passe en toi. Tu deviens dès ce moment une cible à abattre. Parce que le moyen de sortir du filet de Satan, c'est de remettre sa vie à Dieu en acceptant Jésus de Nazareth comme ton Seigneur. Si tu refuses, tu es marqué comme quelqu'un qui est dangereux. Quelqu'un qui va échapper de la prison. Quelqu'un qui connaît la vérité. C'est pourquoi la Bible dit. Si tu entends sa voix, n'anticipe pas ton cœur. Tu as entendu. Donc les bénédictions sont là. Les grâces sont là. Mais tout dépend du choix que tu fais.